le petit bonhomme en mousse qui s'élance et se blesse comme Neymar. Yo, bien ou bof, bon bah la poisse Saint-Germain continue ma gueule. Et avant de poursuivre, on prend une petite minute pour le sponsor OneFootball, l'application number one sur le football. Et bah tu sais quoi, grâce à cette application, tu peux voir le joueur préféré de ton équipe préférée prendre des RTT. C'est quand même super ça. C'est pour ça elle est très très bien cette application. Comme indiqué juste ici, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à la télécharger, c'est un bon moyen de me soutenir poteau. Et voilà, Neymar Vell blessé une fois de plus, indisponible pendant un mois pour un match amical à Singapour face au Nigeria. Ouais je sais, ça sonne comme une blague, mais c'est pourtant vrai, poto. Franchement, comment ça commence à me vénérer toutes ces blessures à répétition, j'en peux plus. Neymar Vell, tu parles, avec son corps en polystyrène, on est plus proche de Mr. Glass que de Wolverine. Moi, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire, je sais plus c'est la faute à qui. Est-ce que c'est la faute à la poisse? Est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce que c'est la faute au préparateur sportif? Est-ce qu'il a fait sa grosse commission? Et surtout, est-ce qu'il a poussé longtemps? Je t'ai dit, notre club à nous, il est marabouté. Laisse tomber, c'est un truc de fou. Et les matchs amicaux, que serait-ce? Les matchs amicaux, c'est pour quoi faire? Donc pendant que nous on prend un abonnement chez Canal+, RMC, Bein Sport, tout ça, et bah lui il prend un abonnement à l'infirmerie. Pourtant c'est bizarre, le carnaval de Rio c'est pas maintenant. Là ça va être Halloween, ça n'a rien à voir. Neymarrant. En vrai ça n'est pas marrant du tout. Il est blessé tous les deux matchs. C'est pas possible. Je me demande si on ferait pas mieux de faire comme si qu'il existait pas, qu'il jouait pas chez nous, on a d'autres joueurs, ça serait une sorte de joker de luxe. Ça me fait mal de le dire. Et dire qu'on allait enfin pouvoir se réjouir de son retour en Ligue des Champions face à Bruges. Parce que quand c'est pas les blessures, c'est les matchs de suspension. Ils avaient fini par réduire sa peine, mais finalement, bah c'est plus la peine. Quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais il nous fait une gourcuff ou quoi la Huis? Il enchaîne les blessures comme moi j'enchaîne les verres de Pepsi. C'est incroyable la poisse qu'on a. Donc là, pour lui, bah c'est à nouveau les Cansva. Et je me dis que 122 millions pour jouer même pas 6 mois, franchement j'ai mal à mon club. Moi cet été, je voulais qu'il reste parmi nous, mais je comprends les personnes qui préféraient le voir partir. Il va encore nous faire une saison incomplète. Mais bon, il vaut mieux que ce soit maintenant qu'au mois de février, on est d'accord. Mais va savoir ce que nous réserve l'avenir avec lui. Le mec a un corps en polystyrène. Mais bon, bah je me console en me disant qu'Mbappé Tard va certainement faire oublier son absence. Même si j'aurais adoré les voir jouer ensemble à nouveau. Mais bon, ça va pas être pour T-Suite. Et puis, bah j'ai hâte de retrouver Cava Magnifique aussi. C'est à croire que nous, on n'a pas le droit d'avoir un effectif complet. Alors oui, tous les clubs ont des blessés. Mais nous, là, ça commence à être trop. Là. En tout cas, pendant ces 4 semaines de blessures, j'espère que Leonardo va l'enfermer à double tour et lui dire tu restes à Paris ma gueule. Puis pendant qu'on y est, j'espère qu'il va montrer son attachement au club en soutenant ses partenaires au stade quand il y aura match. En tout cas s'il continue comme ça avec ses blessures là, quand il partira de Paname, ça sera pas pour aller à Barcelone mais pour aller au FC Porcelaine poteau. Ah ouais, parce que moi j'ai vu des poteaux jouer avec 2 grammes dans le sang sans dormir, ils se faisaient tacler au cou, à 2 doigts de mourir à la 90e, mais jamais blessé les mecs. Lui il joue un match amical 7 ou 11 minutes je sais plus, il part en chips tout seul sans que personne le touche. Bah alors qu'est-ce qui te prend, Neymar? On attend plus le printemps pour partir en vacances maintenant? Pff, le mec est en train de se transformer en quiche. Mais si tu continues comme ça, nous on va te bicrave 50 euros. Arrête, poteau. Avec tout l'oseille qu'on t'a refilé, je sais pas, achète-toi des sclemus. Bah si! Vas-y, je m'arrête ici, ça commence à me saouler. J'espère qu'Mbappé Tard il va nous régaler lui au moins. On connaît les bails. Salut! À cette story.